Salut à tous, c'est les Gamers 17.9, enfin le Gamer 17.9 aujourd'hui. Et oui, c'est Tom, me voilà, je monte ma petite frimousse au public, entre guillemets. Bref, si je suis là, c'est pas pour justement montrer que mon visage, c'est aussi pour vous dire notre nouveau concept d'émission, enfin vous l'aurez vu dans le titre. Alors, le son du jour, le son, la musique, hein, bien sûr. Et donc, en quoi ça consiste? C'est pas grand chose, on vous présente une musique qu'on aime bien de temps en temps, on verra quand. Et voilà, on mettra peut-être des petites anecdotes, on verra si on évoluera le concept et tout. Bref, on verra, on verra. On espère que ça vous plaît, que ça vous plaira. Et donc, que ça peut vous permettre de découvrir des petites perles musical, car bon, la musique dans les jeux vidéo c'est pas assez connu quoi. Bref, donc aujourd'hui une musique de Kyle Gabler, un des deux mecs qui ont fait World of Goo, un jeu indépendant sorti en 2008 je crois sur PC, et après adapté sur Wii en une ou deux années plus tard je crois. Bref, là il s'agira de Cog in the Machine de Kyle Gabler. À noter aussi que l'OST du jeu est gratuite et légale sur le site, je crois, de worldofgoo.fr. Enfin bref, je vous mettrai sûrement le lien si j'y arrive, ou dans la description des commentaires. Voilà, voilà, si vous avez une question, n'importe quoi, un commentaire, ou... enfin bref, un retour, c'est cool. Et sinon, ben voilà, écoutez, sortez vos casques, c'est parti. We'll be right back.